Bonjour à tous, je suis Josiane Chagnon-Massy, alias Madame Chagnon, enseignante au préscolaire dans la classe des Grenouilles, la classe 012 du Collège Sainte-Anne préscolaire primaire. Je fais partie de l'équipe des enseignants du collège depuis l'ouverture du primaire en 2015. J'étais alors en sixième année et depuis 4 ans maintenant, je fais partie de l'équipe du préscolaire. J'ai étudié à l'UQAM en enseignement du français langue seconde où j'ai obtenu mon brevet d'enseignement au préscolaire, primaire, secondaire et adulte. J'ai tout d'abord enseigné pour la commission scolaire English Montreal, puis pour des écoles privées de Montréal. Avant d'être enseignante, j'étais professeure de ballet pour des petites puces de 3-4 ans qui apprenaient le ballet classique. Depuis quelques années déjà, j'enseigne le yoga à l'école. Je suis la responsable des projets de yoga et de pleine conscience. Avec ma famille, j'adore voyager, j'adore cuisiner, j'adore bricoler et lire toutes sortes de livres de la littérature jeunesse avec ma fille et mon conjoint. J'adore les animaux et dans la classe, nous aurons un petit hamster, une petite cachette qui viendra nous rejoindre d'ici peu. En arrivant dans la classe 012, la classe des grenouilles, vous pouvez voir les différents coins et les différents espaces pour que les enfants puissent travailler tout au long de la journée. Nous avons tout d'abord, nous avons ici le chariot pour Madame Tretta pour les cours d'anglais. Nous avons la table avec Lou, avec nous, qui se présente aujourd'hui pour notre semaine de couleurs, la table pour travailler un à un, le calendrier, l'arbre des 100 oiseaux, les différentes routines du matin. Nous avons les ateliers, l'alphabet en lettres majuscules, lettres minuscules et lettres cursives. Les enfants ont chacun leur bac avec les crayons de couleur, la colle, les ciseaux, les crayons à mine, le matériel dont ils ont besoin pour faire le travail tout au long de la journée. Nous avons différents jeux pour les périodes de jeux libres, les différents coins, le coin train, le coin construction, nous avons le coin marionnette qui se range facilement, le coin château, nous avons le coin espace, les Legos. Nous avons les tapis pour la relaxation le midi. Et juste ici, nous avons les bacs avec les objets personnels de chacun des enfants. Donc voilà, vous avez un bon aperçu de la classe. Je finis la visite avec les différents casse-têtes et tous nos merveilleux livres. Les livres que nous avons choisis pour les différents projets, selon les différents thèmes, ou tout simplement des livres que nous aimons bien pour lire ensemble.